Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Crusader Kings 3 sur la saga des conquérants, qui sont devenus des empereurs hein, maintenant, avec toujours Usu, l'empereur de Mercie. Salut à toi. Salut. Et on se retrouve donc pour la suite directe hein, du dernier épisode, comme tous les autres épisodes qui sont toujours la suite directe. Hein. Quelle phrase utile que je viens de dire. On sent que je savais plus quoi dire. De ton côté à toi, Oui, vas-y. J'ai fait juste quelques trucs. Je suis en train d'essayer de m'arranger pour récupérer le duché de Mercie. Donc j'améliore mes relations avec le roi de Bretagne. Là, il accepte à 65%, donc je lui ai fait un mariage avec une de mes tantes. J'irai mon conseil aussi hors caméra. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire va convertir culturellement. Voilà. Ouais, et on a également regardé les prochains développements culturels, vu qu'on a bientôt fini dans 40 jours. Ouais. Faire. Et on va prendre le fer à cheval. On va partir sur les... Voilà. Histoire de galoper. De déplacement des armées. C'est ça. Ici, c'est l'arqué, ça fait quoi? Cavalier en armure, bof. Soldat de la maison, ça peut être sympa aussi pour plus tard. Les magonos seront bien aussi un jour. Oui, bien sûr. Mais bon, on a déjà les catapultes. Hein. Enfin, je sais plus le nom qu'on a. Oui, mais... oui, les... Les zonagres. Les zonagres, voilà, c'est ça. On les a déjà, donc ça va. C'est intéressant d'avoir les magonos un jour, mais c'est pas le plus prioritaire. C'est ça. Ouais. Et donc, de mon côté, je reprends ma petite guerre. Ah, pardon, excuse-moi. On a toujours le décalage. De mon côté, moi je vais surtout gérer de la diplomatie hein, parce que bah, je pourrais m'attaquer aux abbassides ou m'attaquer à d'autres trucs, mais je vais y aller très lentement. On va pas trop grossir. Je vais voir avec lui. Alors maintenant que t'es marié, je peux pas révoquer des titres parce que je peux autre revendiquer le titre. Non, je veux pas revendiquer le titre de royaume de Bretagne, je veux le revendiquer le titre du duché de Mercie. Et moi de mon côté, voilà. Ah. Dommage. Voilà. Et hop, fer à cheval, c'est parti. Fascination. Et ouais, de mon côté, moi j'ai déclaré la guerre à la Cujavi juste pour récupérer ces territoires-là et unifier tout parce que bah, avec ce que j'ai hérité qui est là, quel bordel. Un titre de chez Mercie, il accepte à 30%, mais c'est un peu trop. S'il refuse, commence une guerre contre Cassius Belli Rebellion. Ouais, je vais éviter. Et pas oui, motivé pour ça. Et également, j'ai augmenté l'autorité de la couronne à 3 de mon côté. Je vous laisserai faire pause si vous voulez lire ce que ça fait. Voilà, je voulais afficher, mais ça coûtait 900 de prestige, donc ça coûte un peu cher. Apprécier un peu plus vu que maintenant je suis devenu son tuteur. Évoquer un titre. 43%, c'est toujours risqué. Hein. Tant qu'on est en dessous de 50%, c'est risqué. C'est ça. Et oui, donc je vais essayer assassiner le duc Égile de Bohême parce qu'en fait il est héritier du royaume de Badajoz chez Usu. Donc s'il en hérite, ça voudrait dire que tout le duché de Bohême, qui est assez grand, passera en Mercie. Donc c'est pour ça que... ouais, ça peut être chiant. Voilà, donc là, je peux pas recruter trop de monde, mais bon, normalement dans 10 mois, ça passera à 95%. Il devrait arriver à mourir quand même. Ici, allez, je vais faire un grand blood. Là. Les habitants de Castellan. Les hommes libres.
Ah, ma femme est enceinte. Ah, ça en est. Très bien, j'ai besoin d'enfants. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la vérité? Je reconnais cette voix entre mille, c'est peut-être que ma belle-fille. Alors attendez, Freya me propose sa bénédiction. Obtenir un secret sorcellerie. Ah oui, je peux apprendre que... Ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça me ferait, mais... La femme de mon fils, d'accord. Ouais, ouais, bah, j'ai appris que c'était une sorcière. Ok, je suis content, je pense, je suppose. Un duché, duché du Rif. Je vais peut-être faire ça. Peut-être intéressant de m'attaquer au duché du Rif. Ah bah je suis devenu un sorcier moi aussi alors, c'est ça? Ouais, peut-être. Apparemment. Et tu... Si tu es un sorcier, tu peux pas le voir. Mais normalement, t'as une option avec les personnages pour avouer ton secret et faire en sorte de les recruter. Alors, je sais pas hein, si je suis devenu un sorcier ou pas. Ah, je peux convertir à la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Et tu peux, en gros, t'avoues ton secret et la personne peut accepter de devenir sorcier. Et en faisant ça, si tu fais ça avec X% de ta famille, je sais plus c'est combien, tu peux fonder un couvent de sorcières. Ah ouais? Ouais. Super, j'ai des rebelles partout dans mon pays. On va tenter de le faire alors, hein, puisqu'on me le propose. Je propose une concubine. Ça sert à rien. Nouvel atout de diplomatie. Je pars sur quoi? Conquête ducale? Gérer les affaires étrangères ou négociations défensives. Enfant après tout, ok. Vous pouvez le voir, hein, le territoire chez moi est complètement éclaté de partout. Il y a des tonnes de petites guerres à faire pour unifier tout ça. Avec 95% de chance que le duc soit tué de Bohème, ça devrait se faire. Voilà, c'est fait. Ah, mort battu, piétiné par ses propres sujets. Nombreux paysans ont été pendus, y compris mes agitateurs, ce qui les empêche de remonter jusqu'à moi. Voilà, une petite mort discrète. Voilà, donc du coup, bah, le duché de Bohème a changé, et je pense que du coup, il ne quittera plus ma terre. Hein. Ici l'héritier, c'est un Dvitser Carliste. Tes souhaits. Allez, vite, allez-moi écraser ces petits rebelles parce qu'ils valent pas grand-chose. Allez, je peux pas te réenvoyer un cadeau, toi, non. C'est chiant, ça. Il me déteste, hein, le petit moment. Tout ça parce que j'ai revendiqué la terre et que j'ai annulé ses fiançailles. Ah, je peux emprisonner lui, parfait. Je vais tenter de le faire après. Tant que je veux le faire. Ah, et renvoyer de la cour. Oh, je peux renvoyer un gamin de 6 ans et en faire un vagabond. Je peux être une vraie enflure, c'est marrant. Et je peux pas le faire avec lui par hasard.
Non. Mince. Ils ont été plus rapides. Après, l'avantage, c'est que ça me donne du prestige, cette bataille. Bah oui, faut prendre. Hein. Un traître à la cour. Capturez-le. Hop. Je vais aller... Ah non, je peux pas partir en pèlerinage à cause de la guerre. Parce que ça, c'est pratique aussi de partir en pèlerinage. Eh oui. À mon fils de devenir sorcier. J'accepte, accepte. Et il me semble que tu peux même le faire avec des gens hors de ta famille. Oui, 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 tu peux. Mais ouais. Ça compte pas pour fonder ton couvent, mais. Non. Alors après, j'ai jamais réussi à fonder de couvent. Ah ouais? Faut en faire vraiment beaucoup, non? Ouais. Ouais, tu dois avoir, je sais plus, normalement t'as l'option dans les décisions. Ah oui, fonder une assemblée de sorcières. 60% des membres adultes de la maison, actuellement 8%. Voilà, c'est... Ce serait drôle. Mais... c'est on va faisable. Voir. On va voir. En fait, c'est faisable surtout quand t'as une petite famille. Plus ta famille est grande, plus c'est chaud. Ah, puis c'est compliqué, ouais. Hop, alors, ici. Ah ben, l'autre, il a gagné. Ok. Donc, ils ont perdu. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Combien a-t-il de troupes? 1000 troupes, c'est faisable. Franchement, même moi, je peux le faire. Hop. Je reprends ceci, à ce état. Et je vais m'emparer de la côte. La côte nord des Abbasides. Guerre, ducal. Ouais, je le fais. Attends, j'ai un événement avec toi. La dernière œuvre de... Oui. T'es au courant? Oui. Alors... Je t'ai envoyé un poème. Ouais, chanson de la lance. Quand les panaches de fumée entrent dans ces terres, personne ne s'attend à se foudre de guerre. Les sujets sont reconnaissants car sans cela, ils apprendront comment se gère un état. Bravo, Uzi, bravo. Je suis un grand poète. T'as l'air tellement fier et mon personnage a l'air tellement blasé. Ouais. Non.
non, bah je... Ouais, bah ouais, je... Bertil, je vois que c'est vraiment sincère. Voilà, je vais répondre ça. Yes. 20 points d'opinion. Voilà. Voilà. Ça valait le coup de se casser la tête à faire des rimes. Bon, après, heureusement, c'est un truc généré automatiquement. Ouais, 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 bah oui, 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 bien sûr. Après, j'avais aussi le choix de faire un poème sur ton incompétence. Il va pas briser. Ça aurait été drôle, hein, cela dit, mais... Mais bon, ça m'aurait pas fait beaucoup rire non plus. Hein. Je peux tenter un poème dans 3 ans et je vais insulter le roi d'Aquitaine. Ah, ça, ça peut. Alors, est-ce que je peux tenter de le tuer aussi? Non. Ah, en plus, ah, mais oui, je suis compatissant, je peux tuer personne. Ah, oui, bah, super. Envoyer un cadeau, toujours pas. Ouais. La Bastille, il a 900 troupes. Ça va, la guerre. Ça va pas être compliqué. De score de guerre. Je contrôle 100%, je vais contrôler 100% de l'entrée de la Méditerranée. Ça, c'est très beau. Pas moyen de me d'échapper à Madouane. Ouais, j'ai fini ma guerre, je vois si j'ai fait des prisonniers, ce serait bien, quelques prisonniers, un peu d'argent. Ok, j'ai converti mon deuxième fils à la sorcellerie. Qui m'aiment tous, je continue de le faire, hein, ils m'aiment tous à 100%, donc un troisième, on met fin à la guerre, on appuie les demandes, et maintenant on va emprisonner lui. Ok, mais est-ce que je le fais du coup? Allez, on va le tenter. Gave lui. Direction Tanger.
Yep. Je suis désolé hein, les gens, si vous voyez zapper les events, mais il y a beaucoup trop d'events. Mais si je suis en mode, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai mon objectif et je vais descendre vers, c'est quoi, c'est Marrakech ? Ouais, c'est Marrakech. Quoi ça, la faction pour la liberté déclenche une guerre ? C'est qui ça ? Ouh oui ! 5 duquins quand même, hein. Ouais. Ouh putain, et puis ils sont... Bonne religion. Bonne religion. Et ben, cela dit non, parce que j'ai des alliés normalement. Ouais, j'ai beaucoup d'alliés. Ouais. T'as Kiev, t'as l'Écosse, t'as moi. Bon, je pourrais pas t'aider tout de suite, mais tu peux quand même appeler si besoin. Alors attends, j'ai mis pause, je vais aller voir mes alliés. Alors, mis à part toi, elle, guerre de libération, oui. Ensuite, il a que 222 troupes, c'est pas terrible, mais on prend. Kiev, 11 000 troupes, on prend. Le roi d'Écosse. On prend. Si tout le monde rejoint bien. Connacht, 5000 troupes. On prend. Et on va voir qui est le plus fort au final. Hein. Ça, je vais un peu en chier au début là, mais. Tout le monde accepte de rejoindre la guerre. Parfait. Non, j'ai regardé, j'ai 15 prisonniers, je peux pas les tuer. Ça me stresse de tuer des prisonniers. Merde, j'ai perdu ma bataille. Je les libère et je les convertis. Hop. Convertis. J'ai pris une belle gifle hein, quand même. Oh non, j'ai chopé la variole. Putain. Oh, c'est pas le moment, en plus. Ah non. Oula. La situation est en train de... alors, t'as attends. T'as tes alliés qui arrivent, mais... Ouais, je la sens pas trop, elle, hein. Lunatique, ils ont l'air pués, les médecins. Je vais prendre, mais... Putain, je la sens pas, hein. Catholique bavaroise, tout ça là. Je vais prendre par défaut, hein, mais. Je rejoins ta guerre pour voir ce qu'il en est. Et ensuite, je viendrai quand j'aurai fini ma guerre contre l'Abbasside. Bon, bah voilà. Symptôme de la maladie aggravé. Ouch. Mon héritier a la variole aussi. Oh, c'est. Pas de chance. Elle lui a aggravé ses blessures aussi. Ah tiens, t'as le Connacht qui est tout près, qui fait un siège apparemment. Il est en guerre contre le Danemark, donc il prendra pas. Mon fils est mort. Ça y est, ça se propage à mes enfants. C'est... Oh le bordel d'un coup dans mon pays là. Ouais, je vois ça. Je vais bien, je suis devenu immunisé à la variole. T'as 9000 écossais qui arrivent. Ouais. Donc, c'est moi ça. Ce que je te conseille, c'est de te déplacer vers les 6000. Ils vont suivre. Alors attends, où c'est? Oui, par là, oui. Pardon, merci, parce que je ne sais plus où j'en suis. Avec un peu de chance, je vais finir bientôt ma guerre contre le Maroc, mais, enfin contre l'Abbasside. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un que je dois influencer dans mon pays? Toi. Je peux
peux t'influencer. Je peux t'influencer. Ah, lui m'aime bien maintenant. Alors, est-ce que je peux toujours pas t'envoyer un cadeau? Non, évidemment. Révoquer le titre. C'est bon, 54%. J'ai pas envie de le faire là tout de suite, hein, pas pendant les guerres. Mais c'est faisable. Je suis gentil, hein, je renvoie dans leur pays des gens, ils sont convertis, donc les Azatrou vont se répandre. C'est le seul truc que je peux en faire, ça ou les laisser mourir en prison. Autant qu'ils se rendent utiles. Oh là là, tous mes fils sont en train de... Ah, là, elle a réussi, tiens, elle en a soigné. Hein. J'ai une deuxième faction qui me déclenche une guerre. Oh, sérieux. Ouais. Faction pour la liberté, maintenant c'est la faction pour l'indépendance. Bon, ils sont que deux, mais... Il me semble que la liberté vont te demander de baisser l'autorité de la couronne, au pire. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, t'es en train de la gagner, mais s'il y a un souci, tu sais que celle-là, tu peux... Enfin, moi, ce que je conseille, c'est vise la paix blanche. T'as déjà 17%, donc ça devrait pas prendre trop de temps. Et appelle tes alliés pour les guerres suivantes. Ouais, et je vais t'en rendre aussi. J'ai 4 guerres hein, contre moi. Ouais. Je suis dans une. C'est le chaos. Hein. Bon, par c'est... contre, l'indépendance, c'est... ils sont chiants. Ouais. Bon, je vais retourner en arrière parce que mes troupes sont en train de crever dans le désert. Et bon, moi j'ai pas levé toutes mes troupes aussi, hein, donc je vais le faire. Enfin, je crois pas. Est-ce qu'avec tout ça, je peux appeler les Yorms Vikings? Voilà, mon fils a péri, super. Quel merdier, mais quel merdier. Pourquoi il veut se révolter? Ah oui, je l'ai viré du conseil, il m'aime plus. Au secours, quand tu dézoomes sur mon pays, c'est un bordel sans nom. Ouais, mais bon, ça va passer. Petit temps de souffrance. Paix blanche. Ils accepteraient la paix blanche, la guerre de libération, là. Non, pas encore. Ouais, parce que moi, quand je le mets, il me montre qu'ils acceptent à 65. Mais vu que c'est pas moi qui fais les paix. Pas de sens. Saboter. Mmh. 86. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux encore monter de 14, donc. Faire, c'est venir t'aider. Qu'elle en essuie une défaite, visiblement. Je sais pas, je suis. Perdu! On peut peut-être rejoindre la révolte. Où sont les révoltés là? Bon, j'arrive avec 5000 troupes, c'est pas énorme, mais c'est tout ce qui me reste de mon voyage dans le Sahara. Ah, j'ai un fils qui meurt. Moi aussi. Ah tiens. Pourquoi j'ai des Écossais qui viennent chez moi? Ils sont cons. Pourquoi tous les Écossais débarquent chez en Mercie? Vous êtes en guerre contre quelqu'un ou... J'ai jamais eu autant d'events, hein. Franchement les gens ça doit être imbuvable, hein. Je clique quitte sur tous les trucs, mais c'est imbuvable d'événements quoi.
Attends, où sont mes troupes? Ah, mes troupes sont au Danemark. Voilà, je vais me poser là. Je sais même pas quoi prendre, sérieusement. Et bah voilà. Je prends bien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai. Apparemment, ils ont dit que l'épidémie était terminée de variole. Wow. Une bonne chose. Ouais, parce que. Ah bah, un mort de plus. Ouais, ceux qui sont encore malades doivent achever leur mort. En gros. C'est ça. C'est ça. Si on a deuil non fait, ça fait quoi? Ouais, bah. On va devenir mélancolique, hein. Qui est mort? Ah, le roi de Navarre est mort. Ok. Ouch. Bataille compliquée là. Bon bah je me replie, je suis désolé, hein, je perds des batailles. Pas de problème. J'ai perdu plein d'alliances aussi du coup, avec tous les morts qu'il y a eu. Ça. C'est 99, allez. Dans un mois il abandonne la guerre. Ah bah voilà. Oh, merci est bien écrit. Ah, sérieusement, maintenant j'ai les Andalous qui se révoltent. Quand je suis à l'autre côté du monde, je dois me barrer chez moi, je dois me rebarrer quoi. Je suis désolé hein, mais là j'ai 5000 Andalous qui sont pas contents. Y a pas de problème, t'inquiète, je sais bien que c'est pas de ta faute. T'as réussi. Non, mais t'es à 50% pour la libération. À mon avis, tu peux les. Ouais, attends, je mets pause. Tu peux... Alors, tu peux il faire quitte la peau blanche. Ouais, après, par contre. Perdre 30 d'opinion. Parce que c'est pas des mecs en même temps que je voudrais en profiter pour emprisonner, quoi. Enfin, je sais pas si, ça les emprisonnerait tous. Ouais, tu peux essayer. Ouais, je vais. Mais si t'es trop dans le caca. Ouais, si t'es trop dans le caca, bah, t'es à 50%. C'est... Ouais, bien faut sûr. Faut juste les empêcher de prendre ta capitale. Donc Donc je vais y aller immédiatement. C'est ça. Ah tiens, ils sont 6300 les... D'accord, super. Ah non. J'en avais encore 1200 là-bas. Et à chaque fois que je tourne le regard, il y en a un de plus qui apparaît. C'est quoi l'autre, sa guerre d'indépendance? Je vais l'accepter. Oh, je vais pas l'accepter, je vais la laisser, je verrai bien. C'est un comté au pire. Hein. Pareil, c'est tout en bas à droite, là-bas, où je suis un peu trop loin pour le moment. Ah, c'est toujours les mêmes, en fait. Qui sont oui. Ah, il va pas se battre. Dans 14 jours, j'ai plus mon malus. Je reste chez moi, ça me permet de... Ouais, je vais faire ça. Faut que je retrouve quelques forces. Mais non! Les Mualites maintenant qui se révoltent. Ah, moi aussi je me retrouve dans la merde. Ordre. Je m'étonne. Je les recruter. Je suis désolé, hein, mais je vais les recruter. Parce que ouais, de toute façon, je peux pas les recruter. Les Mualites sont. Les Mualites sont pas sympas. Bon, les autres ça va, je me suis déplacé, ils m'ont attaqué, j'étais en défense. Je les bats, mais ouais, les Mualites il y en a 6000 aussi. Ouais. Attends, ici, je peux faire une paix blanche, je peux faire une paix blanche. Je vais les chasser.
Après, je me demande d'envoyer les Yarns Vikings sur Biar. Je tenterai quand j'aurai éliminé quelques rebelles. C'est où les champions là déjà, je suis con. J'ai capturé lesquels? Bon, j'ai capturé les Mualites. Donc. Allez, Biar directement. Changer parce que là c'est nul. 2, ouais non, 11. Wow. Que des mauvais diplomates pour cette génération. Ah ça. Tradition adaptative, efficacité, gérer les affaires étrangères. Allez, on va prendre ça pour avoir très flexible. C'est bon, ce sera tout utile, ok. Il y a 90% de victoire, 97. Je vais tous les emprisonner eux. Voilà. Et moi j'envoie mon armée principale vers Biar. Une fois, il a qu'une terre, donc il suffit de prendre sa capitale pour qu'il perde. Voilà, donc déjà, tous les ducs vont être en prison. À la poubelle. Voilà, déjà, ça en moins. Bon, ensuite. Je te conseille de t'occuper des rebelles. Il semble que ça, t'as des rebelles polonais, je sais pas quoi là. Révolte Slovanskia, ça doit être les 2700 qui sont là au sud, je suppose. Ouais. Enfin, occupe-toi de ceux-là parce que mes troupes arrivent en Hongrie donc. Une victoire de plus. Hop, et je peux garder les Yarns Vikings, ok. Et je les démobilise, ils me servent à rien donc. J'aime bien, il y a sous la description de mon personnage, c'est marqué c'est vous, virgule, même si vous ne vous sentez pas toujours vous-même. parce que je suis mélancolique, je pense. Ah, peut-être. Et c'était plutôt drôle. Sept mois et l'autre, la rébellion est finie. Parfait. Bon, il manque que le mec. Tu t'occupes des rebelles là-haut. C'est ça, ouais, là c'est en train de se. Je peux donner l'assaut, non. Je peux donner. Eh bah quel bordel. Hop. Hop, voilà. Une guerre en moins. Ça c'est fait. Et je vous en remercie bien. Pas de soucis. Hop, des enfants n'ont pas besoin de tuteurs. What? La croisade pour l'Otharingie. Ah, c'est pas ça cette fois-ci, c'est ça? Pas pour nous, hein? Ah bah l'Otharingie... Je pense que c'est toi, non? Non. Défenseur, le duc de Franconie occidentale. Vaudoise, ah c'est contre les Vaudois. Oh. J'en ai rien à foutre. Ah,
peux pas joindre les attaquants. Ah bah je pense pas, on est pas Kato. C'est dommage, j'aurais bien été défoncer les franconiens là-bas. Il va prendre cher hein. Ah non, il y a quand même du monde hein, de l'autre côté. Il y a du monde en défense. Ouais, il y a... Trois. Bah ouais, non bah... Il y a toi. Mais pourquoi moi? J'en sais rien. T'es dans les défenseurs, tu fais... Mais je... la puissance. Mais je veux pas. Je suis obligé. Mais je sais pas, c'est bizarre. Mais guerre 5 catholique contre... Mais il y a peut-être des territoires chez moi, j'en sais rien, mais non, enfin pas moi quoi. Est-ce que c'est pas parce que t'as des terres de Lotharingie? Genre t'as deux ou trois terres, t'as un duché en Lotharingie, et donc t'es inclus dedans, dans la croisade. C'est quoi ce beans? Mais c'est de la merde. Ça n'a pas de sens, mais... J'ai un demi-frère. J'ai envoyé un poème au pape. Ouais, bah ouais, tu peux... il va apprécier. Non. Perdu non, non. D'opinion. Oups. Je lui ai dit qu'il était incompétent. Mais non, mais moi je veux pas quoi. J'en ai rien à foutre de votre... Mais j'en ai marre. Après, c'est bizarre, tu vois. Mais... Ah bah c'est bizarre, oui, c'est le moins qu'on puisse dire que c'est bizarre, oui. Hop, on a bientôt fini ce rebelle, je pense. Regarde, je suis en train de les démonter. Hop, 100%. Merde, j'ai mes ducs qui s'évadent de prison, putain. Occupe-toi-en tout de suite. Hop. Alors, je peux enfin partir en pèlerinage. Ouais, bah attends, je mets pause parce que faut que je m'en occupe, comme tu dis. Et offrir. Hop. Pas besoin de tuteur. Négocie une alliance avec lui. Donc bah, j'accepte, ouais. Ligne de succession, je m'en fous. Emprisonner un. Ligne de succession, je m'en fous. Le royaume perdra des. Non, toi. Non, mais il faut que t'aies un enfant, c'est tout. Et t'es... Ah, t'es le mec de Tanger. Non, mais tu vas commencer à m'apprécier déjà. Accorder un titre. Je te donne ça en plus, voilà. Je t'envoie un cadeau. Et je t'exige une conversion. Ah, t'accepterais peut-être pas. On verra. Imam plus 25, révoquer un titre. 48%, il m'aime vraiment pas, petit con. Ok. Puis je l'exécute. Ah, je suis rayonnant, je pourrais envahir le royaume dès que j'ai 2000 de prestige. À moi l'Aquitaine. Voilà, on va se faire un peu des sous. Après, on verra. Alors, je pars en pèlerinage. Après, je ferai un banquet, une chasse. Il manque. Ah, je peux créer des titres aussi si besoin. Royaume d'Andalousie ou duché du Rif. Non mais je veux vraiment pas rejoindre cette truc moi, enfin... Croisade pour le royaume de Lotharingie. Bah oui, j'ai un duché dedans. Ça doit être ça. J'ai le duché de Basse-Lorraine. Je peux pas le donner non, le révoquer. Bah s'il est indépendant, tu peux libérer le truc, mais t'as aussi AS donc... Dans tous les cas t'aurais quand même une terre dedans, t'aurais une marque. Tu libères la Basse-Lorraine.
Ah, je suis blessé, super. Il manque pas beaucoup de points. Hop. Je vais mettre en je continue le jeu mais en vitesse 1 parce qu'il faut que je gère un petit peu, j'ai trop de titres. Non, je suis pèlerin. Je rentre à la maison maintenant. Mille troupes, ouch, ça pique. Hop, oh, j'ai encore du monde en prison, tiens. Non, ok, donc j'ai trois territoires là-dedans. Donc, est-ce que j'ai un mec à ma cour? Vieux toi. Je renvoie des gens chez toi. C'est qui ça? C'est des Hongrois, je les renvoie mais convertis. D'accord. Hop. Alors toi, on va t'accorder des titres. Tu vas avoir ça. Tu t'en démerdes. Hein. Allez, chasser. Tac. Trophée dans la grande salle. Tac, ici. Est-ce qu'on peut voir les conditions de guerre, non? Et voilà. Tout est réglé. Bah écoute, tout est pour le moment réglé, ouais. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais... Mais bon, on va mettre en pause et puis on va arrêter l'épisode là. Il est largement bien long. T'allais dire, je te propose de mettre fin à l'épisode. Faisons ça. La frise est indépendante. Ah non, la frise est la Lotharingie. Mais moi, tant que ça me sort de la guerre, je veux bien. De toute façon, je vais pas les... Ça change rien, je pense. Je vais pas les m'y battre, hein, de toute façon. Tu défends tes territoires si des gens approchent. Mais je pense que ça va vraiment se concentrer sur la Franconie, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi t'es intégré dedans. C'est pas, tu vois, c'est pas ta religion, donc... Bah non, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon. Ouais, on découvrira le pourquoi du comment plus tard. Exactement. Eh ben, j'espère que l'épisode vous aura plu. Voilà, j'en ai profité pour révoquer des titres et faire des choses. Et puis que ben, on verra ça au prochain épisode, du coup. On vous remercie pour votre suivi, votre fidélité, ce qui reste encore après autant d'heures de jeu, etc., etc. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. À bientôt.